Alors, une embolie amniotique, c'est quand il y a du liquide amniotique qui part dans la circulation sanguine maternelle, et ça, c'est pas du tout fait pour. Ça fait faire des défaillances multi-organes, quoi. Plus rien ne fonctionne, ni le poumon, ni le cœur, ni le rein, ni le foie. C'est quelque chose qui est extrêmement rapide. Et c'est dû à quoi? Pareil, très torpide. On ne sait pas très bien à quoi c'est dû. Ça a un lien avec la préclampsie? Non, ça n'a pas de lien avec la prééclampsie. Ça arrive excessivement rarement. On n'arrive pratiquement jamais, jamais à réanimer une femme qui a subi une embolie amniotique. C'est une C'est entrée dans la impossible mort. de le voir Et on ne arriver? le voit pas arriver, tout décompense en l'espace de un quart d'heure, 20 minutes. Tout d'un coup, votre malade, elle va bien. Tout d'un coup, plus rien ne va. Elle saigne, elle fait des arrêts cardiaques, son cœur fonctionne plus. Vous ne savez pas ce qu'il y a. Tout le monde tente de les réanimer. On abandonne la réanimation et c'est l'autopsie qui nous donne la réponse en général. Ouais, c'est quelque chose qui est extrêmement violent, pour lequel il n'y a pas tellement de facteurs de risque et qui, heureusement, est très, très rare.